Et salut à tous! Alors, cette vidéo commence comme un vlog, mais ne va pas être totalement un vlog, enfin, il n'y aura pas tous les codes. Si vous me suivez, je vous avais parlé de faire éventuellement un petit looky abby ce soir. Je sors avec des collègues d'Eric, lundi soir. J'ai pas compris. Ils ont pas cours demain? Bref, donc, l'idée, c'est que je fasse un look de la tête aux pieds pour ce soir. C'est-à-dire, s'il y a besoin d'accessoires cheveux jusqu'aux chaussures. Et donc on va choisir ensemble, espérant que Chicabi n'ait pas trop de musique pour tout ce qui est droit d'auteur. On rentre à la maison, je fais les essayages, je me prépare et tout ça ensemble. Voilà pour la petite vidéo du jour. Et j'allais oublier, c'est nous qui devons apporter les desserts. On doit être 9, donc je vais également acheter 2 gâteaux. C'est parti. À tout à l'heure, mon bébé. Fais pas trop d'efforts, surtout. Voilà, j'en ai profité. Il doit être midi moins 10. J'ai trouvé des trucs, mais ils sont peut-être pas à ma taille. Allez, c'est le moment des essayages. Vous avez vu, il y en a un. Alors ça, c'est la tenue que j'ai pas validée. C'est une petite robe longue, donc j'aurais pu l'ajuster avec une ceinture, mais déjà, elle pique, elle gratte. Et je crois pas que ce soit une couleur qui m'aille vraiment. Et puis surtout, ça fait pas hyper décontracté, quoi. Mais elle est quand même très très mignonne. Je pense qu'avec un joli cintrage, avec une ceinture, ça peut le faire. Voilà, donc je valide pas. Le reste, je crois que c'est super, j'ai trouvé. Donc je vous montre pas forcément, je vous montrerai à la maison. Cette veste, alors ça sera pas pour la tenue, mais je l'aime beaucoup. Enfin en tout cas, je trouve qu'elle me va bien pourtant en général. Tout ce qui est motif un peu panthère, léopard, ce quand t'es blonde, c'est pas... Enfin, j'aime pas trop, mais là, tant pis. C'est assez joli quand même, hein. Grosse hésitation. Je vais aux accessoires. Ils sont où les ceintures? Si je vous dis que je suis contente de mes achats, je crois que j'ai trouvé The Tenue. Vraiment. Le truc, c'est que chez Kiabi, c'est vrai qu'ils font très très peu de chaussures. Donc, je n'allais pas prendre des chaussures pour prendre des chaussures. J'en ai, je vais prendre, je pense, celle que j'ai. Ça ira très bien. Direction Leclerc. Ouais, je vois là, Leclerc, ils font des gâteaux sympas. Je vais en prendre 2, comme je vous disais. Je pense que là, je suis arrivée devant Leclerc. Je pense que le mieux, c'est que je vous filme, je vous reprends à la maison. Une fois que j'aurai acheté tout ce qu'il faut. Me voilà rentrée. Donc, ça, c'est pour après, parce qu'il est 13h, donc déjà je vais manger. Je vous montre les super gâteaux que j'ai trouvés, que je suis très contente parce qu'ils sont beaux et ils ont l'air tellement bons. Alors comme je vous disais, ils viennent de Leclerc, mais attention, c'est vraiment Leclerc traiteur avec des vrais gâteaux, c'est pas les petites tartes et compagnie. Regardez-moi ça, donc le premier, 16,50€, mais c'est un croquant au chocolat. Regardez-moi cette merveille, oh, le glaçage, ça donne vraiment envie. Et l'autre, et celui-ci. Une tarte aux fruits. Oh, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Et les deux, l'un à côté de l'autre, ça le fait. Franchement, très contente de ces deux gâteaux. Et moi, comme j'avais pas beaucoup de temps, je voulais pas cuisiner, je me suis pris, j'avais envie de fraîcheur, des bouts de melon avec... Non, tu restes à ta place, baby. Et bah le petit wrap, ils sont bons, ceux-là. Reste à ta place, il n'y a pas la surimi. Allez. Allez, Jack, non, c'est pas pour toi. C'est le moment de vous montrer mes petits achats. Et surtout, c'est l'heure de me préparer. Et du coup... Et bah de tout essayer avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer chaque pièce. Et à la fin, vous verrez le look complet. Déjà, j'ai trouvé ce petit sac sacoche, donc pas très grand. 14€. J'en avais pas. J'avais pas de modèle comme ça. Il est super mignon. Et puis en plus, bah, il va très bien avec la tenue. Et puis avec, bien évidemment, plein d'autres tenues que je mettrai plus tard. J'ai décidé de partir sur une petite jupette. Qui est vraiment, bon, elle est toute légère, mais elle est quand même doublée, donc ça c'est pas mal. J'ai pris taille 34 parce qu'elle taille vraiment grand, même le 34 est un petit peu grand pour moi. 12€, hyper mignonne, donc des petites roses, et puis la dominante, forcément c'est du rouge.
pour casser le look classique, j'ai voulu mettre un t-shirt des Beatles. En plus, clin d'œil à Eric, c'est son groupe ultime. Bah, il adore les Beatles. Donc, je trouve que ça va être très, très sympa. Pareil, je vous disais, donc taille XS. Parce que sinon, il est un petit peu trop large. Le prix, il est à 10€. Voilà, pour ce t-shirt. Et j'ai osé, donc j'ai vraiment farfouillé partout, fait des associations. Cette veste rouge, on est d'accord, elle est très très rouge. Mais, pourquoi pas? Déjà, j'en avais pas, elle est pas excessivement chère, hein, taille 36. Ah, je pensais que j'avais pris 34. Mince. 25€, vous voyez, c'est pas très très cher. J'ai pris également, donc la vendeuse m'a mis ça dans le sac, des boucles d'oreilles. J'avais d'ailleurs perdu la petite attache dans le magasin. Extrêmement classique. Au début, je partais pour des créoles un petit peu panthère. Et bon, elles faisaient vraiment toc. Et j'avoue que celles-ci, elles sont très très belles. Elles ont un joli rendu. Et bah, j'ai craqué hein, parce qu'elle est vraiment très belle. Cette veste, je vous ai montré hein, juste avant dans le magasin. 30€. Elle n'est pas excessive. Et puis, pareil, c'est le genre de pièce que je n'avais pas. Elle est toute douce, avec un jean, ça rend super bien. Ah mais oui, c'est ça. C'est celle-là que j'ai prise en 34. L'autre, la rouge, il n'y avait pas 34. Donc 30€, c'est bien ça. Ça, c'est une ceinture. Je vais mettre la ceinture. Et elle vient également de chez Kiabi, mais je ne l'ai pas achetée aujourd'hui. Pour les chaussures, comme je vous disais, bah, y en a très peu. Donc bah, je vais prendre les miennes. Les collants, bon, sachant que je représentais un petit peu la Gambette Box, bah, j'ai énormément de collants. J'ai vraiment l'embarras du choix dans cette boîte, donc je vais trouver mon bonheur, parce que je compte mettre des collants, hein, forcément, collants noirs. Et bah, c'est parti pour les essayages. Je me demande s'il ne faut pas que je fasse mon make-up d'abord. Je vais voir, mais je vais maquiller, et du coup, je vais mettre un rouge à lèvres. Rouge. Chose que je mets très très rarement, mais là, ça peut être très très sympa avec bah, l'ensemble du look. Le reste du make-up, bah, il va rester comme ça. Par contre, au niveau des cheveux, je vais faire, ouais, je vais faire quelque chose. Me voilà maquillée. J'ai vraiment insisté autant sur les lèvres que les yeux pour donner un petit côté rock à ma tenue. Je sais que d'habitude, il faut soit charger les yeux, soit les lèvres. Voilà, de temps en temps, petite barrette, les boucles d'oreilles qui sont mignonnes. Mais j'ai un dilemme, j'hésite. J'ai porté les deux vestes et je sais plus si la rouge, enfin c'est pas que je sais plus, c'est que j'ai un gros doute, j'ai l'impression que le rouge est vraiment très intense et étouffe le reste de la tenue. Donc je vous montre avec la première et avec la deuxième. C'est pas bien grave, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas encore mis la veste. Voilà déjà ce que ça donne sans la veste, avec les petites chaussures, le collant. Donc il n'est pas si opaque que ça. Non, bon, on remarque qu'on n'est pas encore vraiment vraiment en automne. Déjà l'association, je trouve ça hyper sympa. Et on va passer eh ben, aux vestes. Étape, hein. Mais c'est joli. Ça change quand même. Avec également le petit sac. Je sais pas. En tout cas, non, je suis très contente d'avoir cette veste. Parce qu'elle ira avec pas mal de tenues. Et ben, je vous montre avec l'autre et le petit sac de plus près. Alors ça, c'est la deuxième tenue, ça passe. Le truc, c'est que bah, t'as un motif comme ça, et avec le motif floral, c'est moyen, je vous montre. Ah non, j'ai oublié le sac à main. Ouh. Honnêtement, je crois que les deux passent. C'est pas choquant, hein. Non. C'est plutôt joli même, hein. Alors ça rend pas terrible, enfin on voit pas bien, je trouve, avec ce miroir. Comme ça, le petit sac. Bon, je sais pas, je pense que c'est Eric qui va trancher tout à l'heure quand il reviendra du boulot. Mais j'avoue que le rouge est pas mal aussi. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, me voilà bientôt prête du coup pour aller à la soirée. Dites-moi surtout en commentaire si ce petit format vous a plu. Je pourrais bien évidemment en faire de temps en temps. Moi, en toute honnêteté, j'ai adoré. J'ai adoré aller comme ça dans les boutiques. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas faire ça tout le temps parce que ça reviendrait trop cher. Mais j'ai vraiment, vraiment pris du plaisir à fouiller, à chercher des petites associations sympas. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Moi, je file à ma soirée et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog ou une prochaine vidéo. Salut !